Dans les écoles à Dunkerque, on apprend à lire, à écrire, à compter comme partout, mais en plus on apprend à faire carnaval. C'est très sérieux, même si ça n'en a pas l'air. Nous sommes dans l'école maternelle du Château d'Eau et voici le cours de bande ou comment apprendre à défiler dans les rues. Les enfants sont déguisés, quelques parents, mais aussi et surtout les maîtresses. Si tu ne veux pas payer à boire, on va te choler dans ton comptoir. À Dunkerque, on vit le carnaval, on fait le carnaval, on danse, on chante. Et on apprend ça même à l'école. Et on apprend ça, c'est normal. Le carnaval à Dunkerque est une institution, bien plus qu'une fête populaire, c'est presque un art de vivre. Ici à l'école, les enfants apprennent à faire leurs déguisements et aussi à fabriquer leurs masques. Et on apprend aussi les chansons par cœur du carnaval. Petit extrait avec Tom, 5 ans. Et roule ta bosse, ton père est bossu, sans faire exprès j'ai marché sur sa bosse. Ici, à l'école primaire de la Marine, les CM1 et CM2 sont initiés à la musique et au rituel du carnaval. Bah, quand on marche, c'est les flûtes. Ouais, les flûtes et les grosses caisses et les tambours. Et quand c'est le chahut, c'est les trombones, les trompettes et les grosses caisses et le tambour. Et c'est aussi pour les organisateurs l'occasion de rappeler les règles de sécurité aux enfants. C'est une nécessité de passer effectivement dans les écoles pour transmettre ces règles. Voilà, elles ne sont pas nombreuses, mais elles sont indispensables au bon déroulement du carnaval. Et ça explique effectivement qu'il y ait très peu d'incidents pendant la bande. Et lors de la bande, 70 000 carnavaleux s'amassent dans les rues de Dunkerque. Mais ici, on l'a compris, la relève est assurée.